Tu sais ce que Dieu m'avait dit quand je suis allé prier? Dieu m'a dit, au lieu de courir derrière les hommes qui ont couru derrière moi, cours derrière moi, Dieu. Je suis la source intarissable. Béni, c'est un homme. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Frère, depuis ce jour-là, j'ai changé de conception. Dieu m'a dit, regarde, la puissance a commencé où? À la Pentecôte. Ils étaient où? À la chambre haute. Cherche la communion avec Dieu. Crée la chambre haute. Et tu verras, la puissance va descendre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et aller des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Levons les mains vers le Seigneur, levons les mains. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu m'as retenu pendant 6 ans dans ta présence. Tu as nourri mon esprit de mains délicates des rois. Et aujourd'hui, nous sommes à la montagne de l'Assemblée. C'est un lieu très élevé. Dans ta présence, pour recevoir le pain de grand. Voir la vocation de tous ceux qui sont ici présents. J'aimerais que le ciel, ton trésor, s'ouvre maintenant en leur faveur. C'est un grand jour au ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mandats célestes qui vont être distribués pour tes serviteurs. Merci parce que il y a une onction spéciale pour accomplir de tâches spéciales. Ô Dieu, que ton nom soit béni pour cela. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Dans son palais, tout s'écrit. J'aime avant de parler qu'on touche un peu le trône de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclame le Seigneur très fort, il est Dieu. Voilà, asseyez-vous. Je suis ravi d'être là. Et c'est grâce à vous que Dieu m'a ramené à la vie. Nous avons introduit le message hier en disant que c'était la journée de l'activation d'un protocole spirituel que Dieu avait préparé pour accomplir sa volonté dans votre vie. Et je vous ai parlé de Samuel qui est allé avec Saül et l'a amené sur le toit pour dire qu'il doit y avoir un grand écart entre celui qui vit naturellement et celui qui a l'appel de Dieu à remplir des tâches spécifiques. On l'a amené sur le toit parce qu'il faut que les hommes regardent à lui comme le soleil, reçoivent l'inspiration, reçoivent sa grâce afin d'être éclairés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de cette mystérieuse destinée que le Seigneur a préparée pour cette race dont on a parlé. Alors, pour revenir un peu en un pas en arrière, aider les amis qui viennent d'arriver. Nous sommes à une période, serviteurs de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous prêchez la parole de Dieu, vous savez très bien que l'Éternel ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous avons été divinement avertis que le monde va être visité par une ambassade. Et cette ambassade sera composée de 4 êtres vivants avec 7 esprits de Dieu qui vont venir faire des opérations. Et le Seigneur, parlant de cela, nous avait fait voir que le leadership mondial de l'Église corps du Christ est démissionnaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur avait montré que il y aura des changements qui vont s'opérer, une nouvelle politique de gestion des ambitions de pasteurs. Dieu va orienter l'Église dans une nouvelle vision, dans une nouvelle onction, dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle puissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? J'aimerais voir la main de l'homme de Dieu. Montrez-moi la main. Alléluia. Makamoza makamnabiso, faut tout comprendre en mot très bien. Alors, pour cela, le Seigneur a dit ceci. Le monde entier sera subdivisé en 4 zones d'influence. Il faut noter ça. La cartographie du globe terrestre en termes d'influence changera. Alors, puisqu'il en est ainsi, nous, Église, nous devons être à l'écoute de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que nous allons parler de la destinée, cette destinée qui est miraculeuse. Prenons Psaume 139, verset 6. Nous lisons. Vous avez voulu qu'il y ait un lecteur? Il est écrit, celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Tu es sûr? Psaume 136. 139. 139. Verset 6e. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Continue. Oh, pardon, j'ai commencé au verset 9. Je commence au verset 6, pardon. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je continue. Un instant. Regardez-moi très bien. Ce qui va se passer actuellement dans le monde, j'aimerais attirer votre attention. Nous avons dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Les choses que nous sommes en train de parler, des choses qui doivent arriver, des choses qui vont se manifester désormais dans l'Église, dans le pays, dans le monde entier, c'est une science. Et puisque c'est une science, nous savons ce qui est dit dans la parole de Dieu. La prophétie est la science de tous les mystères. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin d'entendre votre amen. Pasteur, l'ana a bien. Pourtant, au bimawa, au komamutumusus, l'ana très bien. Dieu est en train de faire quelque chose qui est caché, que beaucoup de gens ne savent pas. Et il a commencé, il a fait que l'on se retrouve ici. Mais l'Éternel t'informe que ce qui se passe est une science mystérieuse. Et dans ce que nous allons faire, ou dans ce que Dieu va commencer à faire, il y a 2 acteurs dans l'Église qui vont jouer un rôle très important. Parce que l'Église va évoluer comme une arme secrète de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'armée Oméga, cette armée prophétique. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Alors, nous avons 2 acteurs importants qui vont travailler. C'est
le prophète et l'apôtre. Le prophète va travailler. La Bible dit, la prophétie est la science de tous les mystères. Ici, je suis en train de parler de la mystérieuse destinée de cette génération que Dieu va élever. Ce sont des hommes qui existent, ce sont des femmes qui existent, mais Dieu va donner une connexion particulière à ces gens-là. Donc c'est comme quelqu'un, Azana réseau y a Vodacom, Sugo Bazo, Kotsae na réseau y a Nini, y a Airtel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes prêt à accepter d'entrer dans cette nouvelle connexion? Alléluia. Non, mon ami, Dieu a tchor, on nous a contre. Alléluia. Est-ce que tu acceptes d'entrer dans cette connexion-là? J'aimerais compter jusqu'à deux. Si tu n'es pas sorcier, tu vas sauter plus haut. Jusqu'à deux. Un, deux! Vous n'avez pas compris? J'ai dit, je vais compter un jusqu'à deux. Sauf un nakid, sauf un doki. Il faut toi isoler, Vandoki, parce que l'autre, ça les a tellement cassés. Si tu n'es pas sorcier, tu vas sauter le plus haut possible, jusqu'à deux. Sauf un doki, le matin, onction, kangaroo, jusqu'à deux. Un, deux! Je suspecté, je suis allé, je suis allé, les camouins, je suspecté, je suis allé. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. C'est la Bible qui dit ça, homme de Dieu. Jusqu'à un, Moutouana, Moutema, ma bé, au Batinia, Pesa, ma foutement, ma pongi, Akangabat, ma toy, Nzamba, livré, bisoué, jusqu'à un. Un! Abiki, Boufan. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a dit ceci, que l'Église va évoluer dans une dimension que le monde ne pourra expliquer. Nous allons voir Jésus de Nazareth se promener à Kinshasa. Les gens le verront. Alléluia. Nous allons voir le roi de rois marcher à Kinshasa. Jésus viendra frapper à la porte de ton église. Il entrera. Et il faut que vous soyez préparés à ces choses-là. Je vous parle de choses que j'ai vécues. Il a évoqué le témoignage. Namira au glissé, maintenant, comme le Seigneur m'avait dit, il faut que je vous ouvre mon cœur. J'ai trop de textes, hein, mais je dois aller avec vous dans ce sens-là. Frère, j'étais couché, il était 19h, mais je ne dormais pas. Lorsque le soleil est entré à l'angle droit de la chambre, j'avais les yeux fermés et les anges étaient debout pour me dire, lève-toi pour que nous allons te faire voir ce que Dieu veut que tu vois. C'est ce que j'ai vu là qui a fait de moi ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais vous dire les grands secrets. Nous, on était ici depuis le renouveau charismatique. Bamindele Baya, il y a des gens qui ont interprété des grands hommes de Dieu puissants, mais leurs ministères n'ont pas changé. Rokendeo na kenai pa idaou sa tient maboko, mais atikalaka kandenge azali. Il n'y a pas eu de changement. Pourquoi? Parce que tu es ce que tu as vu. C'est ça le grand secret. Tu deviendras ce que tu as découvert. Ces deux choses-là. Sur le plan spirituel, si tu n'as rien vu, tu es rien. S'il n'y a pas de découverte spirituelle dans ton esprit, il n'y a pas d'avenir dans ce que tu fais. Les gens posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que? Mais la vérité, c'est ça. Il faut que tu vois ça dans ton esprit. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il priait, il intercédait pour nous dans sa prière pour que le Père illumine les yeux. Pas n'importe quels yeux. Est-ce que vous pouvez me dire que là, vos yeux fonctionnent? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
Si vous n'êtes pas en mesure de voir, vous ne serez rien. On peut déclarer des choses, on peut affirmer des choses, mais vous ne serez pas affecté. Si vous ne pouvez pas dire dans votre vie un matin, « Heureux cas, j'ai trouvé. » Si tu n'as pas encore crié ça comme Archimède, il se lavait, il entre dans son baignoire ce jour-là. Lorsqu'il est entré, il a constaté quelque chose. Tant à côté de la carte, il a dit que Maï et Bimi et Boirami Libanda. Mais pour lui, c'était une découverte. Il a compris, la loi va sortir ce principe. Un corps plongé dans l'eau exerce une pression. Le principe d'Archimède qui est sorti, il y a un bateau qui est sorti. Et où est-ce qu'il y a un baignoire? Il a vu, il a découvert, il a dit Eureka. Il a même oublié. Il est sorti, il disait dans la rue, j'ai trouvé la puissance de Dieu. Et ça, il a battu. La puissance de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai pris mon mouchoir. Combien de gens ont reçu de vestes de Kankeza ici? Moi, j'étais témoin de ces choses quand il est revenu des États-Unis. Parce que deux fois, je prenais sa mallette à Pirvienanga. On a affecté combien de gens? Il y a combien de réunions d'onction sur la vie de Kinshasa? Église Zoboukanakaka. Biloba loba, kindokezo matakaka. Je ne parle pas mal de mon vieux, je le respecte. Mais je dis, regardez, la bonne volonté de transmettre, c'est pour te dire que vouloir transmettre ne suffit pas. Il y a un prophète dans la Bible que tu connais très bien, qui a donné sa verge. L'enfant qui est décédé, Alobi Kamata. Tu vas aller, quand tu trouves l'enfant là-bas, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mon choix, le gros. Quand tu arrives là-bas, tu poses le bâton sur l'enfant. Le prophète qui transmettait le pouvoir était convaincu du fond de mon cœur, de son cœur plutôt, qu'il a transmis l'onction. Il a transmis les capacités. Voilà pourquoi je disais, que la plus grosse erreur que nous faisons souvent dans l'église, aujourd'hui nous donnons l'onction même aux marabouts, aux sorciers qui sont là. Ils sont avec nous. Tekit mutakei. Azuyango. Yopo lobi na sali réunion munene na pesinguya. Mon pesi on a nani. Tu as donné ton onction à qui, frère? Vous êtes serviteur de Dieu, examiné dans l'église. Combien de réunions d'affectation, de puissance, depuis que tu as commencé? Ils ne se convertissent pas. Ils volent des micros dans l'église. Ils volent des guitares dans l'église. Ils sont à la permanence, au lali. Yo, pasteur, baïbi, vestenayo. Mais il y a deux jours, tu as transmis l'onction. Ils sont là, au bobo, kakarak, bakakakaka. Ma bonze, kotikuna, alongoli, ba dollar, nyon, ça tient la poche. Mais finalement, l'onction qu'on est en train de donner aux gens, c'est quel genre d'onction? Qu'est-ce que ça produit dans la vie des hommes? Et j'ai compris qu'en dehors du fait qu'on peut avoir la bonne volonté de dire « prends la verge », le prophète qui fait ça, il sait que c'est le signe de son pouvoir. Va avec le pouvoir. Mais quand il est arrivé, les Saint-Esprit et les anges de Dieu n'étaient pas d'accord avec ça. On peut faire des choses pour toi pendant 21 jours. On t'impose les mains, tu bois qui m'a fouta, mais lola est boi et nimioté. Voilà pourquoi hier je parlais de l'architecture. Tu ne commences pas à exister aujourd'hui parce que nous te pressionnons. Non. Il y a les calculs de Dieu. Il y a l'agenda de Dieu.
La puissance de Dieu commence quand l'homme se découvre et il peut se définir. C'est là où la puissance commence. Qui es-tu? Mais papa, pasteur, tout le monde est en train de se faire. Tout le monde. Alléluia. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le prophète a dit, dites-nous, nous devons demeurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez l'internet aujourd'hui. Mais les hommes de Dieu, regardez ce qui se passe. Je parle du mauvais côté de l'internet. Vous savez, on dit la propriété intellectuelle. Nous, les hommes de Dieu, dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ma pasteur va comme bata lokuta, ma pasteur va comme bata mouibi. Au komika ka kokopi ma kambuya batu, au zayote. On risque même que dans 2 ans, 3 ans, tu perdes l'ossature de ta vocation. J'ai vu Jimmy a fait ceci. Copier-coller, pouk. Na koti laboratoire, na baloussi. Comme lui, il avait dit pierre, moi j'ai dit libanga. Comme il avait dit kwanga, moi j'ai dit farine. Mais Dieu n'a plus le temps de vous parler. Les pasteurs sont devenus des tricheurs. Tu vas aller en enfer à cause de Facebook. Vous n'avez plus le temps de consulter Dieu pour que Dieu vous parle, pasteur. Dans l'eau à l'obinini, kuna. Dans l'eau à l'obinini. Quand Kenza a salani, mon frère, copier photo, copier loco. Mais, et Pesikaka a envie, n'a convoitise. Ce sont des démons. Regardez comment vous devenez possédé. Vous êtes en train de violer le droit de propriété intellectuelle. Il n'y a plus de limite. Un homme de Dieu est puissant lorsqu'il connaît sa parcelle d'autorité. Tu dois savoir là où tu commences à ton alphabet, là où ça va se terminer, la Z, ta parcelle d'autorité. Là où limite ta parcelle d'autorité, c'est là où commence le ministère, l'onction de quelqu'un d'autre. Et si toi, tu ne sais pas définir ta propre parcelle de puissance, tu vis en violation de règles spirituelles. N'oublie pas que la Bible, c'est la constitution de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est en train de devenir faible. Nous avons pensé qu'il y a non. Pour tout cela qui en a. Bisonem, tout ça, l'église a réveillé l'administration. Bah, toi, Kala, on était là. Le premier gouvernement, les MIC, quand ça a commencé, on était là. Mais pourquoi aujourd'hui l'église réveille comme Yembele, Yembele? Parce qu'on n'a pas su définir au départ la théologie du réveil de cette église-là. Un marabout se transforme en pasteur aujourd'hui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Bikela qu'il est bon ganga et continue l'église. Parce qu'on n'a pas défini la théologie de l'église du réveil. C'est que nous sommes nous. Oyo tout ça qu'on croit là. Oyo senglito sala. Nao senglito salate. Il n'y a pas un livre qui parle de ça. C'est comme ça que tout est permis. Tout a été fait. Sauf ce que Dieu demandait. C'est comme ça qu'il y a perte d'énergie. Pour être puissant, pour que ton église soit bénie, il faut enseigner aux gens qui sont dans l'église qui tu es. Chaque église est comme un hôpital. Et chaque pasteur est comme un médecin. Quand vous allez dans une clinique, il y a la pédiatrie. Il y a le cardiologue, il est là pour les cœurs. Il y a le pneumologue. Est-ce que vous comprenez? Il y a les dentistes. Si l'on doit considérer aujourd'hui que ici l'église soit une clinique, tokota nangalema, yozanani, tout nos voisins yozanani.
Non, mais quand on a réuni la biso, tout n'a pas été sa réponse. Sa réponse. Yosanani, Yosanani. Quand quelqu'un croit être capable de tout, c'est qu'il ne connaît rien. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez mon diplôme, vous avez tout. Vous avez une université. Moi, je ferai tout. Je suis capable de tout. C'est que Aza Bolole a bien localisé que ça, la ville a été. Il faut qu'en dehors de ce que vous avez appris pour votre salut, que vous ayez votre particularité. C'est là où Dieu va s'exprimer dans votre ministère. Il faut montrer aux serviteurs qui sont dans l'église que je suis cardiologue. Le menuisier forme les menuisiers. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller prendre la médecine derrière un maçon. Et puis un mois après, tu commences à dire, vieux, nabaye nanga kozala, nga na yeki ko luka, ko yeko la médecine. Mais on tozo bete ba brique, on yeko la médecine awa. Quel est l'homme de Dieu qui est ta référence, tel que tu es là? Tu côtoies qui? Tu fréquentes qui? Tu manges avec qui? Il y a des hommes de Dieu que moi j'ai fui. Parce que à cause dénaturer vocation nangaï. Tu fréquentes qui? Essaye d'évaluer. Parce que tu dis que non, voilà, ma kamnazo sala est aussi maté. Mais qui est ton ami intime dans le ministère? Qui est ton collaborateur? Parce qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a la synergie. Il y a la dynamique d'interactivité. Lorsqu'on est en train de se côtoyer, si tu es médecin, reste avec le médecin. Tu vas apprendre le langage de médecin. Le pilote d'avion arrose à la cima mutakumba ka balinière té abana ko yekola ningeni bazokumba balinière parce que aroke ne ko s'écraser un avion. La perception des choses, le jugement de celui qui est en bateau n'est pas le même jugement que celui qui est dans l'avion. Mutuaza na bateau, il a la perspective linéaire. C'est une autre échelle. Mais celui qui est sûr, il est dans l'avion. Il a la perspective aérienne. Quand tu montes très haut dans l'avion, le fleuve peut apparaître comme une sorte de fil. Vous voyez, admettons que vous soyez placé dans le domaine de vision, dans le domaine de révélation. Vous écoutez la voix de Dieu, vous êtes au ciel, dans cette dimension-là. Et vous avez un ami qui est terrestre. Vous n'allez pas parler le même langage. C'est ce qui détruit vos ministères. Quand toi tu diras, je vois le fleuve Congo, Netisinga. Lui dit, non. Et c'est Balemoune Nerobomangaï. C'est ce qui détruit l'église. Vous n'avez pas la même perception des choses. Le langage que Dieu vous donne, vous êtes au-dessus de cet homme-là. Vous comprenez? Lorsqu'il y a guerre aujourd'hui, technologiquement parlant, les gens qui sont dans des avions, la guerre est comme un jeu électronique pour eux. Ils voient des immeubles, pour lui c'est comme un jeu électronique. Ils ont ciblé. Immeuble mobile, 30 étages, et quoi. Mais c'est différent de quelqu'un qui a une roquette. Moutouana lance roquette, azo poussana. Azo mounangwe le ki moulaï. Ako betango, nakwane kwe boumie. Mais toi que Dieu a élevé en esprit, respecte ta nature, tu es élevé. Parle le langage de Dieu. Je vois cet immeuble, moi je le vois comme une pierre, une petite pierre, je l'écrase. Mais lui, avec la lance roquette, il dit, ça me fait peur. Ils allaient gratte-ciel, c'est 100 étages.
vous n'aurez pas la même nature de foi. Azana kondima ya kobanga. Mais yo kondima yali seki. Naza konyata parce que naza na dimension élevée. Choisissez vos amis. Tu es pilote d'avion. Reste avec les pilotes d'avion. Et même si on est pilote, il y a des gens qui sont dans des vols commerciaux. Mais sur les autres, on a mirage, toi. Tu as un avion de guerre. Cherche les hommes de guerre, qui parlent bombardement, qui parlent missiles. Reste avec eux. Alléluia. Yoza aigle, camarade, n'a pas de. Tu es un aigle. Aujourd'hui, fréquenter le lapin. Pourquoi qu'il ne va pas? Si vous l'obtenez au monde, un résultat est Nzambe. Aujourd'hui, ça l'est leur côté. Aujourd'hui, ça l'est leur côté. Mais ma papou, ma pèse, ça est au poste. Qu'est-ce que tu cherches dans le poulailler? Aux associés, aux adendotés. C'est ce qui détruit les ministères des gens. Est-ce qu'on peut avoir vos mains? À un moment dans la vie, soyez strict, soyez catégorique. Attends, il y a un tel yoté. Il y a un aigle. 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 Tala makambo au moni église au kufa yangwana. Aza pur vienne en gata la gara. Yem ta mbisarabiso, yes. Me ye aza libata, yoza aigle. Ata yem ta boti yo pumuka, tala ebwe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? L'apôtre Paul qui parle d'avorton. On avait choisi Matthias, non? Tirage au sort, Judas Sakoufi, Babimisi Mathias. Mais Nzambe a qui koluka mutunaye sur la route de Damas affecté. Paul, un intellectuel, il était comme un juriste, quelqu'un qui connaissait la Torah, la loi. Et il a démontré par le verbe, quand il parle, il a un langage profond. Est-ce que vous comprenez? Pierre avait vécu avec Jésus. Mais ne pouvait pas parler comme Paul. Raison pour laquelle Paul a plus écrit. Mais Pierre a commis le qu'on a été. Faites valoir qui vous êtes. Parce que Dieu agira en vous en fonction de définition que vous donnez à votre vie. C'est ça la vérité. Libata, atika libata, aigle, aza aigle. Ata famille au panzana, et panzana. Alléluia. Pour okonyo comme pamba. Baya garobo que la yo soso babok lo banguba. Toi tu dois être au-dessus ya bangomba sur des rochers très élevés. C'est là où tu dois aller. Toi qui veux de réponse, hein, c'est ça la réponse. Totanga ikuna balbi, connais-toi toi-même. Il faut miyeba. Alors, bien-aimés, nous revenons un peu. On essayait de répondre à certaines questions-là. On parlait sur la science de Dieu. Alors, vous devez savoir que la connaissance est la clé qui ouvre la porte d'accès à l'espace puissance. La connaissance est la clé qui ouvre la porte qui nous conduit à l'espace puissance. Aujourd'hui, nous considérons ici comme étant le domaine de l'onction, le domaine de la puissance de Dieu. Nous sommes en train de parler de votre destinée qui est mystérieuse, mais cette destinée est cachée. Entre toi et cette destinée, il y a une porte qui existe. Alors cette porte-là ne peut s'ouvrir que par la connaissance. Quand tu découvres, quand tu connais, il y a une sorte de déclic sur le plan spirituel qui ouvre automatiquement cette porte-là.
Motunyo sonzamba sale la cahier de manière extraordinaire. Essayez de le fréquenter. Vous allez vous rendre compte qu'il a une connaissance qui diffère de gens qui ne sont pas utilisés. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qu'il ait découvert qui a pu affecter son être. Ce sont des portes dimensionnelles qui existent en esprit. Vous ne le voyez pas, mais ça existe en réalité. Et nous sommes là ce matin pour que toutes ces portes dimensionnelles s'ouvrent. Nous lisons un texte, Proverbe, Psaume 84, verset 6. Quelle heure est-il? Oui, on peut y aller. Psaume 84, verset 6. Mmh. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mmh. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous n'allez pas vous confectionner ces chemins, mais ce sont des chemins qui existent. Dans ce que je suis en train de vous parler, dans cette science qui va caractériser ce temps de la fin. Papa, c'est toujours au Kanabozo, la Nanga. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Vous trouverez. Voilà ce que je vais expliquer maintenant. Voilà. Maman Magdala, venez. C'est Déborah. Il y a votre sœur. Elle est là? Elle est où? La sœur du pasteur, du prophète Jérémie. Elle n'est pas là. Venez. Voilà. Je vous explique très bien. Nous avons ici l'espace, puissance, onction qui est cachée. Maintenant, nous sommes ici. Il faut savoir, il y a un secret que je vais vous révéler. L'onction de Dieu coule en fonction de ce que vous avez comme définition de l'onction. Alléluia. Le rouge ici, l'onction. Parce que les gens cherchent l'onction. L'onction coule en fonction de la définition que vous avez de l'onction. Alors, si on te pose la question pour toi, l'onction c'est quoi? Qu'est-ce que tu diras? L'onction c'est quoi? Mais là, on ne va même pas t'écouter parce que vous avez. Alléluia, frère, venez. Yom tozan la nini. Ah ouais, Yaka, papa, ouais, Yaka. Frère, venez. Frère, il faut regarder ça. Je vais te montrer ce qui se passe et il n'y a plus de limite. Tu n'auras plus besoin qu'on t'impose les mains un jour. Comprenez ça, venez. Vous avez besoin de consommer l'onction. Vous ne fabriquez pas ça. L'onction existe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit, pour pouvoir entrer dans cet espace-là, vous avez besoin de connaître quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit ceci. L'onction va couler dans votre vie en fonction de la définition que vous donnez à l'onction. Qui est M. Tshisekedi pour vous? Les gens qui sont dans l'armée, ils vont dire ceci. Ils diront, c'est le chef suprême de forces armées. Ça, c'est l'armée. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, on dit, il est le premier citoyen de la République. Il est premier citoyen. Tout ça, c'est lui, non? Et les magistrats diront, il est le magistrat suprême. Mais c'est toujours la même personne, non? Maman Denise dira, c'est mon époux. Les enfants de Papa Tshisekedi diront quoi? Papa Nabisso. Vous voyez? La même personne, plusieurs définitions, selon le contexte de la relation qu'il y a, de la connexion que vous avez.
Dieu vous utilisera selon la définition de la relation que vous avez avec lui. Au lieu de chercher la puissance de Dieu, cherchez la définition de la relation que vous avez avec Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que le président est le chef suprême des armées. Il y a un hasard civil, mais hasard commandé Bangopo, c'est la constitution qu'il a placée. Ce que je vous dis là, c'est que la constitution, que toi tu appelles le Nouveau et l'Ancien Testament, la Bible, tu sais pourquoi tu appelles ça testament? Testament parce que il y a quelqu'un, regardez, le testament, biso atokufela ba papa. Testament ba koma yango ba lobi que le pango eza yo. Na pesi yango na mituka. Tant que mutu na kufite le pango ne ozala yo te. Soko yepe na kolo vite na teka ngona kanai. Parce que testament za yanga ba okanga yo. Pour akufite. La valeur du testament, c'est lorsque la mort du testateur a été constatée. Le jour où Moutouana a koufi, le corps est sans vie. Le fait que l'âme l'ait quitté, ça te donne le droit de prendre ses biens. Même si tu prends ça, automatiquement tu perds ce droit-là. Tout ce qu'il y a dans la Bible, parce que Yeshua Koufaki, sa mort a été constatée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors maintenant, puisque papa Batou Azali, qu'on se perd de Ponanini, on est en train de se perdre parce que la définition de notre relation n'est pas constante. Aujourd'hui tu es jaune, demain tu es vert, après demain tu es tel. Na tongo zaki diacre, na midi malamoro okomi apôtre, lobi na tongo okomi prophète. Lobby okuna okomi kingandi, olamuki na tongo lobby général, olalo lobby maréchal. Tant okoya lobby désormais na komi kingandi. Mais qui es-tu par rapport à la connexion que tu as? Est-ce que tu es à Vodacom ou bien tu es à Airtel? La constance reste qui tu es. Et ce que tu es, tu ne le ramasses pas dans la rue. C'est ce que Dieu a dit de toi avant la fondation du monde. Est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, vous qui êtes ici, pour prendre ce qui est là-bas, c'est la définition que vous avez. Si l'onction nous enseigne, donc l'onction est une personne qui nous enseigne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'onction vous enseigne toutes choses. Si l'onction peut nous enseigner, un enseignant, c'est quelqu'un qui a de la matière, qui donne, qui sait communiquer, c'est que l'onction communique. C'est rattaché à la divinité, à la personne de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction sans Dieu. Vouloir prendre l'onction, c'est saisir Dieu. Dieu et l'onction, c'est la même personne. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, considérons l'onction comme un être. Maintenant, comment est-ce que tu définis ce tapis-là? Comment tu définis? Parce qu'il va couler en fonction de la définition que vous avez. Si tu sais qu'elle dit est ton mari, alors c'est l'affection du mari dont tu as besoin. Le mari prend soin de sa femme, Nabana, Nandaku. Mais si tu dis qu'il est le chef suprême de forces armées, nous sommes à l'armée. Quand il vient devant toi, tu vois, le comportement change, l'attitude change, même la tenue change. Ton revêtement spirituel dépend de la définition de la relation que tu as avec l'onction. Est-ce que vous comprenez? Le magistrat, quand il viendra, il veut comparaître là-bas. Non. Pour les gens qui ont été chez le procureur, les avocats pour entrer là-bas, se présenter. Tu ne peux pas te présenter
dans le domaine de la divinité en toute légèreté. Non. La légèreté que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est ce qui fait fuir l'autorité de Dieu. On a fait que tout devienne facile. Tout le monde se croit être capable de tout faire. Tout le monde est capable de tout. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, on a parlé de parvis, de lieu saint et le saint des saints. Reste avec Dieu. Dieu ne change pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que tu recherches pour faire couler la puissance de Dieu, c'est déjà défini. Ça est dans ton cœur. Ça est dans ton cœur. 84, 6, on revient. Tu trouveras des chemins tracés. Chaque personne est une marque déposée de Dieu. Oko banako kouri derrière Christ Oyakilome, ako sala na yo alingi, oko komaka jamais Christ Oyakilome. Parce que les voies dont tu as besoin, dans la marque que tu as, se trouvent dans ton cœur. Si tu veux devenir puissant, tu dois être édifié par le témoignage, les enseignements des autres. Après les avoir écoutés, rentre en toi-même. Va puiser en toi-même. Va découvrir les pistes que Dieu a placées en toi. Le jour où tu vas trouver ce chemin, tracez les fleuves dont ils vont couler. On est occupé à suivre Joël Francis Tatou à Salakiboué. Jimmy Nani à Salakiboué. Menza Mazomitou Name Yo. Tanguni no robo kama bolongo. Oye bisanganza mena fungo la robine zakatina yo. Parce que bazali loko la yo. Un jour j'étais. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Pardon? Ah, on doit arrêter. Hein? J'ai encore un peu le temps. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez aimé ça? Acclamons le Seigneur. Quand Kenza est revenu de l'Europe, j'aime le citer parce que c'est mon vieux. Il ne peut pas prendre ça mal, quoi. Je lui ai demandé, j'ai dit, donne-moi les vidéos de Bénin. Nous sommes en 1992-13. Il a dit, tu peux regarder, mais je ne te donne pas les cassettes. Moi, j'ai dit, oh, vieux. N'a pire petit nao dans sa. Tu vois, à l'époque, quand Kenza a des paris, hein. Il dit, tu peux regarder comme tu veux, mais ça c'est ma vie. Je peux pas. Il en avait des mal et des mal. Et quand il se mettait là, il avalait tout. Mais quand tu lui dis, donne-moi cette cassette pour que j'aille avaler comme toi, il refusait. C'est pour ma femme et mes enfants. En 93, la Betsameli Bakunga, puis il vient dans l'aïe. Tu sais ce que Dieu m'avait dit quand je suis allé prier? Dieu m'a dit, au lieu de courir derrière les hommes hein, qui ont couru derrière moi, cours derrière moi, Dieu. Je suis la source intarissable. Béni, c'est un homme. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Frère, depuis ce jour-là, j'ai changé de conception. Dieu m'a dit, regarde, la puissance a commencé où? À la Pentecôte. Ils étaient où? À la chambre haute. Cherche la communion avec Dieu. Crée la chambre haute et tu verras, la puissance va descendre. Nous prenons le temps de nous accrocher trop derrière les gens. Ce n'est pas mauvais. Mais quand est-ce que ton robinet? Parce qu'en toi, il y a un robinet. La Bible dit que les fleuves couleront. Quand est-ce que ton fleuve va couler? C'est pourquoi je dis, si tu veux que ça coule sans limite, il faut définir. C'est quoi? Le chef suprême pour toi? C'est quoi? Le roi? Il est le législateur pour toi? Il est qui? Définis ça. Et quand tu auras cette connexion, c'est une connexion permanente. C'est ça la réponse.
Il faut pas être comme que loco là ba kangi malamoko internet Facebook et ko kufa kana lobby. YouTube va disparaître parce que toi toute la journée au bandi Amérique au Austin à terre qui boyibi. Oh nana sagbo na yibi. Oh kinga oza moyibi a molimo yo ke na boloko. Ba passer ba ko miyibi. Au moins pour ta fani kana ndakwala mais moyibi. Aza moyibi. Et il dit là-bas, vous les voleurs, vous irez en enfer. Quand le Saint-Esprit dit, il dit, tala moyibi oyo. Kouyibaiba. Maintenant, quand je prends les pondou, je prends les madessou, je prends le fumwa, je prends les bitoto, si quoi, vous mettez ensemble, quand vous allez manger, qu'est-ce que vous aurez après? La diarrhée. C'est comme ça que l'église a la diarrhée. Beaucoup de gens ont la diarrhée tout le temps, en esprit. À cause de la nourriture que vous mangez qui ne correspond pas à votre nature. La diarrhée. Au retour, la négrine. Frère, il y a qu'à. Ministère est comme ça. Ils ont oublié que l'eau est yotée. Définis-toi, découvre qui tu es. Et là, quand tu vas bien, ça a la diabète. Et ça, le bilan, il y a raté. Moutou, tension, il est qui? Il y a raté. Il y a raté. Yéba, oh, yozali. Au moment où la macamo, il y a un kita, il y a un moko. Et il y a un kolanda. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci, regagnez vos places. On va terminer en disant ceci. J'ai pris le temps comme Jimmy l'aurait souhaité. Vous allez trouver le chemin tout tracé. Vous allez trouver les imprimés que Dieu a déjà préparés pour vous. Lisons Job chapitre 9 verset 7. On veut lire ça. Job, chapitre 9. Oui. Le verset 7. Il est écrit, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Il met un sceau sur les étoiles. Vous êtes appelé, c'est Dieu qui vous a choisi. On n'a pas dit que vous devez courir derrière les gens pour qu'eux mettent un sceau sur vous. Mais de votre nature, c'est lui qui détermine qui vous êtes. Il met un sceau, c'est Dieu qui met un sceau sur les étoiles. Vous êtes appelé à être une étoile. Vous avez été conçu par Dieu de cette manière-là. Chaque étoile a un sceau. C'est pourquoi je dis votre force spirituelle, dans la constance, avec beaucoup d'énergie, c'est quand vous savez quel est le sceau que Dieu a placé sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Job 37, verset 7. Lisons ça. Job 37, 7, je crois que c'est ça. Job 37, verset 7, il est écrit, il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Voilà, levez-vous un instant, s'il vous plaît, levez-vous. Regardez votre main droite. Vous voyez cette empreinte que vous avez là? Pour les gens qui vont chercher des visas et tout ça, au moins les locaux, il y a bien une empreinte. Frère, moi, ce qui démontre, Jimmy, la grandeur de Dieu, nous sommes près de 7 milliards d'habitants dans Mokili Oyo. Papa Nangaï, Namoni VIP, Yoka, Namokili Mobimba, les 7 milliards de personnes, chaque personne a son empreinte. Et qu'on a raté. Il y a un souvenir de Kanga, il y a un contrôle, il y a un contrôle. Si on change 5 fois, nous sommes tous les copiments.
Alors, regardez la capacité de Dieu, sa puissance, son intelligence. Comment tu peux mettre des sceaux sur 7 milliards de personnes sans qu'il y ait Kokisama? Vous comprenez? Il a placé ça, il a mis des empreintes. Et vous, vous avez ça sur le plan spirituel. On peut vous amputer les bras, mais le sceau que Dieu a placé dans votre esprit ne peut jamais disparaître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Je termine en disant ceci, bien-aimé. Si vous voulez être un homme de Dieu puissant, après avoir côtoyé des maîtres, tu as un seul père, tu peux avoir plusieurs maîtres, tu peux avoir un mentor, tout ça pour t'édifier à la formation, d'être fort, mais n'oublie pas qui tu es. Il faut que tu découvres le sceau. Parce que le sceau de Dieu en toi, c'est la piste d'atterrissage de l'avion, de la gloire de Dieu dans ta vie. Même si papa Kélan t'a imposé les mains, quand l'avion de la gloire de Dieu vient descendre dans ta vie, akolanda papa Kélan t'a oyatela kio maboko, il faut lukamoli monayo, piste zaliwa pipoa kita. Auprès des aînés, la couverture de leur alliance, la bénédiction. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais dans la marche, c'est ta relation, ce sont tes empreintes, c'est ton sceau spécial qui va te qualifier. En dehors de ce sceau que Dieu a placé en toi, tu n'existes pas spirituellement. Découvrez-vous vous-même dès cet instant. Consultez Dieu. Parlez à Dieu. Il va révéler le mystère de l'architecture qui a construit ton être et tu sauras qui tu es. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Psaume 139, 15 à 17, nous clôturons définitivement. Restez debout. Cette armée qui naît, c'est une armée qui existe dans le secret. C'est une arme secrète de Dieu qui existe. Psaume 139, 15 à 17. Oui. Il est écrit, oui. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Ok, regardez-moi, on va terminer. Pardon, Kofanate. Papa, vous n'avez jamais été caché dans la présence de Dieu, frère. Nous avons abandonné ça là-bas. Nous avons moi la moquette. 21 ans, 22. J'étais déjà en 92 contrat dans le théâtre d'Izo. Mais quand tu me regardes, j'étais petit. Il faut diviser peut-être par 8. Oh, Nazalelo. Si on a le bac français, on a un mutaouti, une bonne famille, attend avec quoi la bien. Mais si on a un linga, on a un limité que mutouyo, a rosa la macamboyo. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce texte-là. Tu as été conçu dans le lieu secret. Frère, ce que Dieu va faire avec vous, homme de Dieu, je vous le dis non pas pour vous montrer que moi je suis un homme extraordinaire. Mais Dieu m'a parlé pendant 6 ans. J'étais ailleurs. Il m'a dit, Élisée, ce que je fais dans la vie des gens, que j'ai conçu dans le secret. Vous êtes une arme secrète de Dieu. Il faut découvrir la nature de cette arme-là pour votre efficacité, pour votre puissance. Vous avez été conçu dans le secret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un témoin. Et faites attention aux symboles que Dieu vous montre dans la vie qui définissent votre nature. N'allez pas dévoiler ça aux gens, Baroboumayo. Est-ce que vous comprenez ça? Joseph a eu des problèmes. Même son père n'a pas supporté ces choses-là. Dans le secret, on avance pour terminer. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Dans les profondeurs de la terre. Là, j'allais faire une démonstration à Abé, comme la souka. Frère, regardez-moi très bien.
Tu as été façonné où? Dans les profondeurs de la terre. Dieu te démontre sa source, ton origine, d'où tu es venu. Si tu veux avoir un ministère puissant, prends ce vocabulaire-là. Écoute à Katnayo. Je suis un homme puissant. C'est à toi, avant que les gens voient la puissance, c'est toi qui proclames ça. Je suis un homme qui est conçu dans le secret de Dieu. Adopte ça comme langage. Bino batou bozo combattre nga boko zwangate. Koya ko lobate mutolu nanga bobeska bakundate. Wana ba pagano. J'ai été conçu dans le secret. Moi, mon ministère est un mystère. Quand tu prends le micro, tu commences à parler, frère. Ce sont les articles de notre constitution. Il faut évoquer ça comme un magistrat. Change ton langage et tu verras la puissance. Dans les profondeurs de la terre. Yo kenangapi. Dans ma nature, dans mon architecture, voilà qui je suis. Adoptez ça. Allons-y. Verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, oui, tes yeux me voyaient. Voilà. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà. Frère. Nazali. Wana, moi tacha makila moke, personne ne m'avait vu. Nazaki na forme te. Yo mutozo loba, nazo sambela. Ministère en wezo keneli bosote. Makamango pe nazo comprendre. Te. Ozalaka, ozangaka déjà forme, ya zalaka ko contrôler. Ozali une créature merveilleuse de Dieu. Accepte-toi comme tu es. Tu es tellement beau, tu es tellement belle. Accepte-toi tel que tu es. Frère, j'étais engalé, hospitalisé. Accident ma colle, panzani. Nazo tambolate, bazo sukolanga. Mais loko kamisanga, bato, balaola nanga na TV, bazako wuta na basal moussousou, na ba thermos na bango. Dis un mot. Nala loba mo, nga liwa et latina nazo lingana koufwa. Mais bango bazo na basal na biloko. Naloi bato bazo tiola nga onini menza mayo lo balanga bi omoni yo il faut sosola nguya eza makolote ata bakati makolo menguya ezali frère ces gens naina bi bende makile zo tanganga ba pota ningola somo me bazaki so docteur abimi ba embang ote mobali langa zakuna ali ko kufa. L'obali l'obamoko. Ces hommes ne voyaient pas mon état physique. Jesus. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne reconnaissons personne selon la chair, mais selon l'esprit. Bats-toi dans ta vie pour que les gens cessent de voir ta chair et tout ce que tu as. Mais les gens te découvrent dans tes dimensions spirituelles maintenant. Permets aux gens maintenant de découvrir tes dimensions spirituelles. Batika kolanda mutuka na yo, batika kolanda malasi na yo, me balanda eloko ya somo, oyo nzamba chakati na yo. C'est ce qui va te permettre de prendre tous les quartiers. Tu vas prendre la ville de Kinshasa à cause ya somo, oyo ezakati na yo ya somo. Yo kisa batu somo eloko ezakati na yo. Lobisa bonzambe batu mabanga Bangi sabango. Moïse alinga kinzamba ebisa e oyazali. Nzamba mona kinene wa ebisa ete alakisi e somo. Zwa loboko kotsa nseli peka kotsa bimisi bo lepra. Omo eloko wana tan. Nzamba zo lakisa ngai wana. Komuna ngai yango wana. Nzambe bwaka nzete na se ebonga minyoka. Soki nzambe yo yokisa batu somo. Mutuso ayo lukayo ayo kasomo omonia nzamba zo lakise ozo lukangana ebiso na zanani bo simba nyoka na mukila osomola frère mutuso amuni ozo te abano ganga yo kisaba tusomo
Église est débordée sur les bateaux qui sont. Mbongo eko bima mituka eko kita bako kaba soki ba yo ki somme uzoka ko bandale londe ngoso bima lobanga na koi mutu ya somme somme na komi ko bangisa na za mutu ya somme omoni Moïse Simba uzoluka nga nzambe yango nzambe azolakisa ete eloko nzambe azolakisa na mutema obilo kozoyo kaona ngane nzambe esika nzambe azalaka soa kiti batyo soa yo église te pasteur za somo na mema batu na stade pona somo uzoka yango na eko tike la bino somo somo levez-vous okomo la muto za na mutuka yo za na makolo mais akiti po ayo ki somo. Levons les mains vers le Seigneur. Frère, je vais vous demander mon adoration à l'écart. Nous allons prendre 5 minutes. Il y a Yomoko, côté la voisinté. Yomoko Nanzambe, pardon. J'aimerais que tu pries pendant ces 5 minutes. Ce que je dis sur ta destinée, ce sont des empreintes qui existent. C'est un livre caché dans lequel Dieu a tout écrit. Il a déjà donné ta forme qui est définie. Tu as été conçu dans les profondeurs de la terre, dans le lieu secret. Il sait ce que tu es. Alors va réclamer ces choses devant Dieu. Le banzambe nazala oana olobi na découvrir yango. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Le Seigneur, prie le Seigneur. Déborder voilà l'adoration tant toujours ah parce que tu reviens ça bisson attend bah attends bah ton amour ta présence ta na 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 présence ensemble oh Jésus. Jésus.
Lèvons les mains vers Dieu. Lève les mains vers le Seigneur. Reçois ma prière. Reçois ma prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont à toi, Jésus. C'est ton arme secrète. Viens accomplir des merveilles dans la vie de tes enfants. Tu les as choisis, tu les as bénis. Oh, matérialise ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Voilà. Merci, merci. Voilà. Aujourd'hui, je ne fais pas un service. Demain, Dieu m'a demandé de lâcher le manteau sur vous. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vous le demande par les compassions du Seigneur. S'il faut jeûner demain, fais ça pour toi. Kende lobi so memata basali anzame mususu oyoyeba nabamba koyaka. Parce que demain je vais parler en termes de laisser tomber le manteau. Ce qui s'est passé entre Élie et Élisée, c'est demain. Alors, je vais te demander d'avoir le cœur ouvert quand tu vas venir demain et soif. Prépare ta soif. Ne me voyez pas. Voyez Dieu. Demain, c'est vous et Dieu, le manteau. Je vais faire en sorte que chaque personne ait le sceau de Dieu pour cette armée prophétique-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Veuillez le manifester. Et je vais vous demander quelque chose. Frère, lobby en tant que Moussa et Nzambe, tant Roya Koya m'a beaucoup pambaté. Jimmy, Dieu m'a dit que Moutouna Moutou a préparé offrande naé spéciale, lobby. Est-ce que tu permets ça? Na offrande douana, moi je ne peux pas te déterminer quoi que ce soit. Cette enveloppe-là, j'aimerais que tu prie, Seigneur, c'est que je veux recevoir de la vie de cet homme que tu as envoyé. Et l'okoyasika prie. L'oba makamounio surtout au lobby. Comment? Tu mets ton numéro de téléphone, tu mets même ton nom. Comment makamounio soana? Je veux que demain, que cela soit scellé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Veuillez lever les mains vers Dieu. Sala na makasi na yo mobimba. Na bozui na yo mobimba. Mets Dieu au sommet de ta vie. Mongo ezan la soukate. Attends, on tient 100. Attends, on tient 200. Attends, on tient 300. Frère, vois Dieu dans sa grandeur, pas moi. Ezan moment impactation makasi nzamba. Alors que Dieu vous bénisse. Bénisse.